Les enfants. Ah, bonjour Pierre. Bonjour Lily. Bonjour mon bricolo, je suis bien contente de te voir. Je t'aime beaucoup. Tu es aussi doux et câlin qu'un nounours. C'est normal, je suis un gros nounours gourmand qui mange beaucoup de miel. Et moi alors? On ne me dit pas bonjour? Et moi, on ne m'aime pas? Bien sûr que si, Zébule. Même si vous êtes un peu grincheuse, on vous aime beaucoup. Voici notre amie Frénégonde. Bien le bonjour. Comment allez-vous? Je n'ai pas beaucoup dormi et je suis un peu fatigué. Mais à part ça, tout va bien. Mais les enfants, je vous trouve bien triste aujourd'hui. Que se passe-t-il? Nous avons très mal dormi cette nuit. Oui, c'est vrai. Hier soir, Félix nous a dit que Kaogumi allait sans doute passer Noël seul, ainsi que tous nos autres amis. Et c'est pour ça que nous sommes tristes. Nous aimerions trouver une solution pour que personne ne soit seul à Noël. Peut-être que nous pourrions tous faire le réveillon ensemble. Comment? Avec Kaogumi? C'est hors de question. Cet individu, chaque fois qu'il me voit, il a envie de me transformer en poulet rôti. Ouh, Zébule, je vous connais suffisamment d'énergie et d'autorité pour éviter pareilles choses. Mes amis, je crois que j'ai une bonne idée. Venez avec moi. Vite, mon bricolo, raconte. Moi aussi. Je voulais faire plaisir à tout le monde. Et je me suis dit qu'on pouvait installer un sapin décoré de milliers d'étoiles sur la place du village pour que tout le monde puisse l'admirer. Je crois que c'est une très bonne idée. Tu as trouvé un sapin dans la forêt? Vous avez choisi le plus beau, j'espère. Bien fourni? Avec de grandes branches. Quand est-ce qu'on va le chercher? Maintenant, avec la charrette. Inutile. Mais quand alors? Jamais. Mon cher bricolo, je ne comprends plus rien. Il faut que ce sapin soit le plus beau du monde, avec des millions d'étoiles et de jolies boules rouges. J'adore cette couleur. Je crois que nous allons faire appel à Kiki, Zouzou et Dédé, nos amis les lutins. Êtes-vous d'accord? Allons-y. Vous vous souvenez de la formule magique? C'est Oubalou, Oubala. Allons-y, tous ensemble. Oubalou, Oubala. Nous sommes les lutins, les petits magiciens. Un trait de génie, un peu de folie, votre imagination et un peu de chanson. C'est facile, c'est magique. Nous traversons le monde d'un pas joyeux. Et partout, vers chez vous, enfants et parents, tout le monde est heureux. Nous sommes les lutins, les petits magiciens. Un trait de génie, un peu de folie, votre imagination et un peu de chanson. Vivellement tous les ans, donnez leur cœur et partagez leur bonheur. Et partout, versez-vous, serez d'amour ou amitié dans les cœurs. Nous sommes les lutins, les petits magiciens. Un trait de génie, un peu de folie, votre imagination et un peu de chanson. Et ta marraine. Tout le monde dans le monde est avec nous pour danser, rire et chanter. Entre vous, donnez-vous la main, le cœur, levez-vous pour danser.
magicien. Un trait de génie, un peu de folie, votre imagination et un peu de chanson. Très vite la vie est un paradis. Bonjour les amis, content de vous voir. Ouh, ouh, nous aussi, nous sommes très heureux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous revoir. Nous aussi, cela nous fait grand plaisir de vous recevoir. Bonjour Dédé, vous allez bien? Comme ci, comme ça. Toujours aussi grincheux comme je vois. Non mais dites donc Zébule, c'est pas vous qui oseriez me donner des leçons en matière de bonne humeur. Tous les deux, il est inutile de vous chamailler. Quelle chance vous avez de vivre ici. Ce village est merveilleux. Nous, qui avons pour tâche de distribuer l'amitié dans le monde, nous aimerions que tous les villages soient comme celui-ci à Noël. Et si vous nous expliquiez pourquoi vous nous avez appelés? Justement. Voilà Félix, Ritu et Kaogumi. Nous allons pouvoir vous expliquer. Eh bien, mes amis, que de monde! Que se passe-t-il? Félix et Ritu m'ont demandé de venir prestamment ici. Et je ne suis pas très rassuré, car je crains que les chasseurs ne m'aperçoivent. Et s'ils usaient de leurs fusils à mes dépens? N'ayez crainte, Kaogumi. Nous avons la situation bien en main. Avec nous, il ne peut rien vous arriver de fâcheux. Et alors, qu'y a-t-il pour votre plaisir? Comme vous le savez tous, Kaogumi est mon ami. Et j'étais triste car je savais qu'il allait passer Noël tout seul dans la forêt avec ce grand froid. Aussi, nous avons eu l'idée de lui faire une surprise. En l'invitant à la veillée de Noël, avec nous, autour du plus beau sapin de Noël du monde. Oh, mes amis, vous êtes tellement gentils. C'est vrai, je suis tellement heureux d'être parmi vous. Vous savez, même s'il n'y a pas de sapin, juste votre présence, cela me fait vraiment chaud au cœur. Un Noël sans sapin ne serait pas un vrai Noël? Mes amis, toutes les étoiles qui sont dans le ciel de ce village vont venir se rejoindre sur ce sapin. Elles brilleront et scintilleront de tout leur éclat. Elles seront le symbole de tous les êtres humains de la planète réunis dans un monde de paix et d'amitié. Pour que brillent ces étoiles, nous allons tous nous donner la main et lever les bras vers le ciel. Il est immense! Eh bien, dites donc, en voilà un grand sapin! Mais comment est-il venu ici? Félix, ne trouves-tu pas que c'est une très bonne idée? On pourrait inviter Kaogumi, ainsi que tous les amis, pour faire la veillée de Noël ici, autour du sapin. C'est une excellente idée. Léonard, regarde ce sapin! Qu'il est grand! Mais qui l'a emmené ici? Vous ne pourriez pas être là quand on explique? Pour faire court, c'est Bricolo qui propose que nous passions tous la veillée de Noël ici, sur la place, autour du sapin. Sans oublier Kaogumi le renard. C'est une excellente idée! Formidable! Nous allons passer un Noël extraordinaire, tous ensemble. C'est le plus beau cadeau de ma vie. Je vous aime tous du fond du cœur. Ouh, ouh. Voici le Père Noël qui arrive sur son traîneau. Bonjour les amis. Comme l'année dernière, vous êtes tous là pour m'accueillir.
Cela me fait très plaisir de vous retrouver chaque année. Et vous, le renard et le chat? J'espère que vous vous êtes bien comportés depuis tout ce temps. Mais que vois-je? C'est incroyable. Je n'ai jamais vu un aussi beau sapin de Noël. C'est un très bel hommage que vous me faites là. J'en suis très heureux. Père Noël, je suis sûr que Frénégonde nous a préparé notre petit nid douillet dans le clocher. Et en plus, j'ai hâte de déguster ces bons petits plats. Frénégonde, vous êtes adorable. Avec mon ami le bonhomme de neige, nous allons nous reposer jusqu'à notre départ pour distribuer par milliers tous les beaux joujoux que les enfants voient en rêve. Mais j'y pense, il manque quelqu'un pour que nous soyons tous réunis. Monsieur le narrateur, vous qui nous avez raconté cette belle histoire qui est la nôtre, où êtes-vous? Venez nous rejoindre. Et pour nous faire plaisir, monsieur le narrateur, continuez à raconter cette histoire dans le monde entier. N'oubliez pas, l'important dans cette histoire, c'est que l'amitié, c'est la plus belle chose du monde.